c'est terminé. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette chambre finalement qui est très simple, vous allez voir, assez minimaliste. La pièce maîtresse de la chambre, on va dire que c'est vraiment la tête de lit. Elle est magnifique. Je vous avais demandé sur Instagram puisqu'on hésitait entre deux modèles. Et finalement, nous avons choisi le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'informations puisque la compagnie qui est ici envoie partout dans le monde, mais elle est magnifique. Là, le travail, c'est vraiment super, super bien fait. Elle est juste canon. La tête de lit a été faite à Bali, donc c'est vraiment un style balinais, mais j'ai trouvé que voilà, qu'il y a un côté un peu oriental, donc du coup, je trouve que ça suit très bien avec cette parure de lit qui est ici. Donc la parure de lit, donc la housse de couette et la couette, ça vient de chez Maison du Monde. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et alors, les magnifiques coussins que vous voyez, c'est une créatrice française qui s'appelle Ilham. Je vous mettrai en barre d'informations sur Instagram. Donc ici, j'ai ma coiffeuse bureau. Donc la chambre est en longueur. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup d'espace pour la mettre de ce côté-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement posé la commode ici. Donc cette coiffeuse qui est en fait une commode. Je vous montre ça. Ça a un... Le secret, tu peux te rapprocher, Ahmed. Et alors, c'est génial parce que du coup, au départ, j'avais tout posé. Et Haroun s'amusait à chaque fois à ouvrir les tiroirs, là, pour le coup. Hop, je me maquille. Quand j'ai terminé, ça peut servir de plan de travail pour bosser. Je peux mettre mon ordinateur. J'ai ici un petit pouf, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. On verra, peut-être que j'achèterai. J'ai bien envie d'acheter une chaise en rattan. Ahmed, il déteste ce mot, je crois, maintenant. Tellement ils m'ont entendu parler de rattan, mais je pense que je vais acheter une petite chaise rattan. On a un invité. Bonjour. Donc je vous disais, ici j'ai la coiffeuse qui me sert aussi de bureau. Pour le moment, c'est l'emplacement en tout cas. C'est vrai que c'est un peu gênant dans le sens où il y a mes affaires. Vous voyez, hop, il y a tous les vêtements. Si vous voulez d'ailleurs un closet tour, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Mais du coup, c'est vrai que ça me barre l'accès ici. Donc je vais voir comment je vais organiser ça, mais pour le moment, je l'ai mise ici. Il n'y a pas grand chose finalement dans la chambre, hein. Donc comme je vous disais, là, la coiffeuse, ce petit tabouret. On a donc ce panier qui vient de chez Ikea, que je vous ai montré dans un haul. Je ne sais pas si la vidéo sera publiée avant ou après. Mais donc ce panier est super sympa, donc du coup je mets dedans, voyez, la petite couverture et le drap. Il me reste à vous montrer donc cette pièce aussi qui vient du même magasin, c'est de la même marque. Que la tête de lit, c'est un miroir en rattan qui est juste super joli. Donc il est accroché ici. En fait, le truc, c'est que l'ancienne locataire a laissé un clou. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'utiliser. Voilà. Vous l'avez remarqué, on a un côté oriental, marocain ici dans la chambre, mais très minimaliste en même temps. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un tapis d'origine berbère. Je vous mettrai aussi le lien de la compagnie qui fait ça. Donc ils sont au Maroc, c'est des tapis qui sont faits à la main. Vous avez vraiment différents styles, ils sont super beaux. Et ils livrent partout dans le monde, donc c'est ce tapis berbère qui est juste canon, canon. Il est hyper doux, c'est de la laine, 100% laine. Si, je pense que si vous êtes berbère, c'est des motifs que vous connaissez. En tout cas, je suis super contente du rendu. C'est simple, facile à ranger, il n'y a pas beaucoup d'entretien, pas trop de choses. Et en gros, c'est vraiment ce que je recherchais. Je pense que par la suite, je vais ajouter quelques petites choses, notamment, comme je vous disais, une chaise en rattan. J'en ai repéré quelques-unes, mais je n'ai pas encore fait mon choix. Et je pense aussi que je vais ajouter des tables de chevet, histoire de cacher aussi les prises qui ne sont pas très jolies là. Et voilà, histoire quand même d'avoir un support à côté du lit pour poser un livre ou autre. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo déco, aménagement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, vous aura plu. En tout cas, moi je suis hyper contente d'avoir enfin, vous voyez, de pouvoir tout simplement agencer comme je veux et de choisir les pièces. Puisque si vous nous suivez depuis qu'on est à Singapour, on a toujours habité dans des appartements meublés. Donc c'est la première fois qu'on choisit nos meubles et qu'on meuble vraiment voilà, avec le style qu'on veut. Et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus chez soi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.